Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité renouvelée à ce nouveau numéro de votre magazine 60 minutes. Et pour cette soirée, nous recevons pour vous dans un cadre un peu exceptionnel un homme de Dieu, un Congolais. Il est un des pères fondateurs de l'Église des Réveils du Congo dans son format le plus original. Et avec lui, nous parlerons de beaucoup de sujets. Avant qu'on y entre, je vous le présente. Il s'agit bien de l'archevêque général de la communauté de la foi abondante, Albert Jean-Jacques Kankenza Mwanambo. Ça fait longtemps qu'il n'a plus parlé dans les médias congolais. Ça fait longtemps que sa langue a été liée pour des raisons évidentes. Sa charge horaire n'aura pas été facile pour nous de le rencontrer. Et Dieu a fait grâce, comme il aime bien le dire, de le rencontrer et de le faire parler autour de différentes questions qui taraudent les esprits des Congolais et même de l'opinion internationale. Bonsoir, cher général. Bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous pour cette émission. Ça n'a pas été facile pour nous. Vous avez consacré votre temps à avoir nos questions et répondre à la communauté nationale internationale parce que votre voix, elle est importante. Votre opinion, elle a une importance réelle dans ce pays. J'estime que vous êtes la voix autorisée pour éclairer beaucoup de questions qui dérangent l'opinion. Merci à vous d'avoir été assez indulgent pour nous accueillir chez vous. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Je le dis en liminaire, il s'agit là bien de l'archevêque général de la communauté La Foi Abondante, Albert Kankenza Mwanambo, qui sort d'un périple européen. Il a été édifié les âmes de Dieu à travers différents pays européens, notamment la France et la Belgique. Et il vient de retourner au pays, raison pour laquelle on l'a attendu. On voulait avoir sa version des faits autour de différentes questions. Je l'ai dit ici parce que, je le rappelle ici, il est parmi les pères fondateurs de l'Église des Réveils du Congo. Il est parmi ceux qui ont impulsé le réveil. Je ne sais pas s'il me contredira. Là, j'ai dit vrai, pasteur. Non, je ne vous contredis pas. Vous êtes sur le bon chemin. Ok. Pasteur, aujourd'hui, l'opinion est exaspérée par la santé ou l'image qu'affiche l'ERC, l'Église des Réveils au Congo. Les gens disent que les fissures sont évidentes. Les hommes de Dieu ne parlent plus le même langage. Parce que les aînés que vous êtes, le papa que vous êtes, vous avez abandonné les brebis, ils naviguent à vue. Estimez-vous qu'aujourd'hui, cette option de voir à l'air, c'est les fissures. C'est une image réelle ou bien il y a des choses à corriger? Bon, il faut... Merci pour la question. Il faut d'abord essayer de voir l'Église dans toute sa diversité. Et s'il faut revenir dans l'histoire, au début de toutes choses, nous fûmes des groupes de prières charismatiques et du mouvement de réveil. Et ensuite, on est passé des groupes de prières aux églises, aux ministères. Et puis, en 97, pour des raisons de la protection de nos églises auprès de l'État, auprès des tiers, nous avions mis sur pied un cadre qu'on appelait à l'époque la LEMIRC, la Ligue des Églises et Ministères de Réveil au Congo, et ensuite, plus tard, ça deviendra l'Église de Réveil du Congo. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des églises issues du mouvement de réveil, qui ne sont peut-être pas dans l'organisation ERC, mais toutes ces églises, dans toute la globalité, sont engagées par l'ERC auprès de l'État. Donc il est difficile aujourd'hui pour un pasteur des églises de réveil ou, de dire que je ne suis pas membre de l'ERC. Oui, ça je peux le concéder, il n'est pas membre de l'ERC, parce qu'il y a différents regroupements, différentes plateformes aujourd'hui, mais il y a eu un seul regroupement qui a été retenu il y a plus de 20 ans aujourd'hui, qui a été reconnu comme étant une confession religieuse et qui représente maintenant toutes les églises issues du mouvement de réveil auprès de l'État. Donc il y a des abus qui se font dans le chef de certains hommes de Dieu qui ne sont peut-être pas membres de l'ERC, mais qui sont issus du mouvement de réveil, mais engagés aujourd'hui auprès de l'État
par l'RC, dont l'RC doit assumer ses responsabilités face à tous ceux-là qui sont issus du mouvement des travailleurs, parce que l'RC le représente auprès de l'État. Archevêque général Albert Rankin, on vous accuserait, vous les aînés, d'abandonner ceux qui sont venus après vous, ceux qui seraient à l'origine de tous ces abus-là que vous déplorez maintenant. Et pourquoi cet abandon? Vous avez peur des jeunes qui arrivaient pour qu'ils vous remplacent, ou bien les jeunes n'ont pas obtempéré, observé vos préceptes en tant que père fondateur, en tant que berger, en tant que papa, raison pour laquelle vous les laissez dans leur déviation. Et aujourd'hui, les fissures, je le répète, sont visibles. L'église des réveils du Congo, dans sa globalité, comme vous l'avez dit, ne parle plus le même langage. Je vous ai suivi il y a très peu. Vous avez même dénoncé un fait qu'à l'époque, vers les années 80, les sorciers, les charlatans, les féticheurs avaient peur de l'église des réveils du Congo. Mais aujourd'hui, on a peur qu'ils arrivent à l'église. C'est-à-dire que la cassure est réelle. Comment réparer s'il faut donner solution? Est-ce qu'il y a eu abandon de nos jeunes frères, de nos enfants par les pères que nous sommes? Je ne pense pas. Parce que nous continuons à les encadrer. Peut-être pas d'une manière très visible. Nous les encadrons, nous parlons à chacun d'eux en tant que père. Mais vous savez, il y a certaines choses qui viennent que nous ne contrôlons pas, nous sommes tous surpris. Je ne pense pas qu'au jour d'aujourd'hui, on puisse dire qu'ils ont été abandonnés, parce que tous ces jeunes frères, tous ces enfants sont suivis de plus près par un ou tel père, par tel père ou tel père. Je pense que nous faisons le travail. Mais dans tout ça, vous savez, moi je suis un homme spirituel. La Bible dit l'homme spirituel juge de tout. Je suis un homme spirituel, je pense que l'église réveille, c'est une église qui a été au départ une grande menace pour le diable et pour dans ce pays, une grande menace pour le monde des ténèbres. Et nous avons peut-être ouvert certaines brèches qui nous coûtent cher aujourd'hui, mais l'ennemi qui se sentait menacé par cette église a tout fait aujourd'hui pour attaquer cette église, a lancé des assauts contre cette église, que nous pouvons voir aujourd'hui certaines choses arriver. Simplement, il y a un homme de Dieu que j'aime beaucoup, paix à son âme, le grand missionnaire Telos Born, un américain, disait toujours, si vous n'êtes pas un problème pour le diable, c'est-à-dire que vous ne le dérangez pas, mais si vous le dérangez, vous êtes une menace pour lui, vous serez tout un problème pour lui. Je pense que l'église de réveil, dans sa globalité, est une menace pour le diable, est une menace pour les ténèbres. Voilà pour laquelle, raison pour laquelle nous subissons tout ce que nous subissons. Je ne vois pas les hommes, je vois plutôt l'ennemi, le diable, qui essaye de faire ce qu'il veut pour discréditer cette église, fragiliser cette église. Et donc moi, je ne suis pas là pour juger les hommes, mais aujourd'hui, je vois plutôt l'œuvre de l'ennemi derrière tous ces hommes. Mais ce qui est sûr, nous finirons par relever ce défi. Mais il y a un autre bémol, l'archevêque général, les Congolais ou les Kinois qui vous ont connu vers les années 80-90 sont un peu étonnés du long silence de l'archevêque général Albert Kankenza Mwanambo. On vous connaît un homme avant-gardiste, toujours à l'avant-plan, qui alerte les choses. Et je peux prendre toute une décennie, Albert Jean-Jacques Kankenza Mwanambo n'a pas vraiment parlé, on n'a pas vraiment entendu, et ça peut comment se justifier? Parce que vous êtes dit qu'il y a tellement de bavures, il y a tellement des abus, je me retire, qui s'en aillent, qui se perdent, je reviendrai après. Comment vous justifiez votre long silence quand même? Non, mais on ne parle pas pour parler dans la vie. Et dans la vie, quand on parle, il faut avoir un message, il faut avoir quelque chose à dire. Voilà, aujourd'hui je parle. Je parle parce que j'ai des choses à dire, j'ai des matières à transmettre. Donc il faut éviter dans la vie de vouloir parler, parce qu'il faut parler, je suis un responsable. Je ne peux pas fuir mes responsabilités. Je suis l'archevêque général de la communauté foi abondante, comme vous dites, mais je suis l'archevêque général de l'église de réveil du Congo, où j'ai été élevé au rang d'archevêque général, et comme le primat, une autorité épiscopale de cette église. Donc, j'ai un rôle à jouer. J'ai un rôle à jouer. S'il y a des choses, j'ai un rôle à jouer, et je le fais. Je le fais, j'appelle, je,
j'appelle des gens concernés, j'échange, je discute avec eux. Donc je pense que on n'a pas abandonné qui que ce soit et on n'est pas resté silencieux parce qu'on a peur de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Non, on est resté silencieux parce que il faut regarder les choses, il faut prier le Seigneur, obtenir du Seigneur des directives, des instructions, des orientations. Pour parler, je pense qu'aujourd'hui je vais parler, beaucoup de gens seront édifiés. Ok, archevêque général Bekakinza Monambo, je me dis sous un autre prisme des choses que je prends avec beaucoup de pincettes d'ailleurs, votre silence ne serait-il pas réorienté par la politique? Les gens ont dit, Bekakinza, un intellectuel rompu, un monsieur assez équilibré, il serait en train de conseiller les politiques, ce qui aurait fait que du côté spirituel, du côté foi abondante, il met un peu un frein à main, il s'occupe de ses amis politiciens et il s'est un peu tu. Cette version des faits, vous la confirmez? Mais vous savez, je ne suis pas politicien. Même si à un moment donné de la vie, j'ai fait de la politique sans le vouloir. Okay. J'ai dit sans le vouloir. Pourquoi? Parce que quand nous sommes allés au dialogue intercongolais à Sand City, j'y suis allé comme chef de confession religieuse, l'église de l'éveil du Congo, comme tous les autres chefs de confession religieuse, nous étions 8. L'église catholique, protestante, l'orthodoxe, tout ça à l'époque, et du cardinal Etchaou Personam. Et au retour du dialogue intercongolais, il a été décidé que tous les participants soient cooptés comme députés. Donc je me suis retrouvé en faire de la politique sans, enfin, le vouloir. Sans le vouloir. Ce sont mes fonctions, mes responsabilités qui avaient fait que. Qui m'amène là-bas. Et pendant 3 ans, je me suis retrouvé au Parlement. Et j'ai eu trop de problèmes aussi parce que j'avais été nommé à deux reprises par le président Joseph Kabila. Et je pense que c'était là le vrai problème que j'ai eu avec tous les ennemis de Joseph Kabila. Tous ceux qui ne voulaient pas de lui pensaient que tous ceux qui étaient avec lui étaient des complices, étaient des collabos, c'est comme ça qu'on m'appelait, on me traitait des collabos. J'ai eu des sérieux problèmes. Je n'avais pas abandonné la foi abondante, mais j'avais deux choses. La vie politique, tout en étant député, et en plus l'église, ce n'était pas facile pour moi. Et aussi, j'ai eu des problèmes simplement parce que en 2003, j'ai fait la campagne du président Joseph Kabila à la FIKIN, où j'avais demandé à l'ensemble des églises de voter pour le président Kabila et aussi à la population congolaise. Et j'avais donné une seule raison. La raison était que nous étions une église clandestine, nous étions une église marginalisée. On était appelés des sectes, mais avec l'avènement de Joseph Kabila au pouvoir, et j'ai fait tellement pression au président Joseph qu'il a fini par reconnaître nos églises au même rang que les autres confessions religieuses. C'est à ce titre que j'ai eu le courage de dire à tout le monde, écoutez, une personne qui nous a reconnus par reconnaissance, votons-le. Et ça m'a coûté cher. Ça m'a coûté cher. Les gens ont dit que j'avais reçu des millions de dollars. J'ai été corrompu. Je pense que dans la vie, il faut de la gratitude. Lorsque nous avions vu le président Joseph Kabila avec tous les autres collègues pasteurs, nous lui avons dit, le jour où vous nous reconnaissez, nous vous promettons que nous allons vous soutenir. Donc je n'étais que le porte-parole de tous mes amis, de tout le monde. Malheureusement, comme j'ai été vu, c'est moi qui ai pris la parole, je paye le prix lourd de cette décision, de ce choix. 13 ans sans aller en Europe, 10 ans sans aller en Afrique du Sud où se trouvaient mes enfants, c'était pénible. Donc j'étais presque assis en prison de ciel ouvert parce que je ne vivais qu'au Congo. Donc c'était très compliqué. Donc la politique, ce n'est pas mon domaine, ce n'est pas mon appel. Mais je n'interdis pas aux hommes de Dieu de faire la politique. Ceux qui pensent qu'ils en ont l'appel, ceux qui pensent qu'ils en ont le choix ou l'appel divin, je les encouragerai. Mais moi, avec tout ce que j'ai vécu en politique, avec tout ce que mon ministère a subi avec la politique, je pense que je me concentre à mon ministère et à mon travail. Ok, Archevêque Général, prenons une parenthèse de ce que vous avez dit. Vous pesez vous-même le poids de votre responsabilité en tant que père de l'Église. Vous savez, aux côtés des cardinals Etchaou et des autres chefs d'Église, c'est Albert Kankinza qu'on prend dans ce carré-là. Et aujourd'hui, est-ce que vous mesurez la portée de votre lourde charge que vous avez face
à tous les jeunes et à l'ensemble de l'Église réveillée du Congo qui est aujourd'hui, n'est pas pressée comme par le passé. Je me dis, il faudra réparer les choses. Si vous avez été demandé de réparer les choses au sein de l'ERC aujourd'hui, vous partirez de quel point exactement? Parce que dialogue intercongolais, c'est quand même le pacte qui a aujourd'hui conduit les pays, comme on dit, le pacte républicain. Vous avez préparé. Et dans ce pacte-là, il y avait beaucoup de strophes, notamment l'Église des réveils du Congo. Et aujourd'hui, elle est vilipendée, elle est marginalisée, mais d'une certaine manière, il y a des choses à reparer. Parce que vous êtes parmi les pères, parmi les pionniers de ces mouvements-là. Si vous êtes demandé de reparer, vous partirez par quel point essentiellement? Et je ne parlerai pas qu'à l'Église des réveils du Congo, je parlerai à toutes les confessions religieuses. Elles doivent éviter les confessions religieuses en général et à l'Église des réveils en particulier, d'éviter de partir pris, d'être réellement une église, des églises au milieu du village dans le sens où ce n'est pas une église partisane. Je dirais aujourd'hui aux dirigeants de l'ERC de faire très attention. Moi j'ai vu, quand j'ai pris parti, j'ai fait un choix de soutenir Kabila. Même si je n'étais pas membre du PPRD, j'ai vu ce que ça m'a coûté. J'ai vu ce que ça coûtait à l'église foi abondante, les départs des fidèles. J'ai vu ce que ça coûtait à l'église de réveil, elle-même dans son ensemble, des pasteurs qui ne voulaient plus se soumettre à moi, qui ne voulaient plus m'obéir, simplement parce que j'avais fait un choix. Et donc, si j'ai un conseil à donner, c'est celui de dire aux dirigeants actuels de ne pas visiblement prendre parti d'un camp. C'est dangereux. Et c'est un terrain dangereux. Et je sais de quoi je parle. Et je dirais même aussi aux autres confessions religieuses de faire pareil. Vous savez, vous-même, avec l'histoire du choix de la CENI, on va y arriver. Okay, il y a un chapitre consacré à ça. On est votre point là-dessus, on va y parler. Mais je reviens un peu à la question relativement au lien étroit qui pourrait exister entre vous, hommes des dieux, et les régimes politiques des pays. Et ces régimes-là, quand ils sont en place, influencent-ils le fonctionnement de l'Église de façon assez évidente? D'une manière ou d'une autre, oui. D'une manière ou d'une autre, mes relations avec le pouvoir de Joseph Kabila ont fait que l'Église a subi quand même une certaine influence, d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas se les cacher. Et l'Église a payé un tribut très lourd pour ça. C'est pour cela, au jour d'aujourd'hui, je pense, à mon avis, qu'il faut beaucoup, beaucoup de prudence. Beaucoup de prudence. Je pense que nous, des responsables des Églises, nous devons accompagner les hommes politiques. Leur parler comme des prophètes de la Bible, sans parti pris, en disant exactement ce qu'il faut dire aux dirigeants, ils vont vous respecter. Mais si ils vous manipulent, ils vous influencent par des petits montants, de petites sommes d'argent, ils ne vous respectent plus, ils pensent que c'est eux qui vont vous diriger. Je pense qu'avec mon expérience, et je dirais aujourd'hui aux dirigeants actuels des églises, des réveils ou d'autres confessions religieuses, d'être des hommes de avec beaucoup de personnalité, beaucoup de caractère, être en présence, aller en face des hommes politiques, mais ne pas se vendre, ne pas perdre la dignité, la personnalité et le caractère. Et cela est très, très important. Au jour d'aujourd'hui, moi je ne peux plus accepter, par exemple, d'être nommé, je ne peux plus accepter d'occuper un poste comme je l'ai fait il y a quelques années, je ne peux plus, parce que j'ai vu. Parce que quand c'est le président qui te nomme, même si tu es un père spirituel, il devient ton boss, il devient ton patron. Il dit, c'est ton chef. Qu'est-ce que tu peux encore lui dire? Tu as des limites, mais je préfère un homme de Dieu qui reste libre. Au-delà des limites, mais on peut faire appel à vous parce que vous êtes spirituel. Oui, on peut faire appel à moi pour les orientations. Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est le travail d'un homme de Dieu. Ça, je ne peux pas refuser. Si aujourd'hui, on fait appel à moi, on a besoin de conseils, on a besoin d'idées, on a besoin d'orientation. Je partirai en toute liberté d'esprit et je parlerai en toute liberté d'esprit. Je ne serai redevable à personne. Je dirai ce que Dieu me mettra à cœur. Je le ferai. Donc, je le fais même avec le président Kabila, hein, vers la fin de son pouvoir. J'ai eu l'occasion de le rencontrer et de lui parler comme un prophète, comme un homme de Dieu, sans mettre les gants. Vous a-t-il écouté religieusement et il a accepté vos orientations?
Je pense, oui, parce que c'est des choses que je ne peux pas dire ici. C'est des choses que j'ai dites. Un cercle restreint était là, de son cabinet. Puis j'étais accompagné de mes amis évêques et pasteurs qui étaient avec moi, qui savent de quoi je parle. C'était des risques, des choses que j'avais dit ce jour-là au président Kabila. C'était des choses qu'un homme ne peut pas lui dire. Mais j'ai eu le courage de les lui dire avec le courage du Saint-Esprit. Et il a fait à la fin de son mandat. Et je le remercie de m'avoir écouté. Ok, archevêque général, est-ce que vous, avec un peu de recul, votre ressenti personnel, quand les gens disent que non, Albert Nkenza Mwanambo, c'est le ranking de Leopold Mutombo, de Aïdine Abala, de Tambo Lukoki, tous ces grands noms de l'Église des réveils du Congo, vous-même, dans votre ressenti, vous pensez que ces gens ont raison, eux que vous avez abandonné, ils ont continué. Quand même, c'est votre génération, des gens qui ont impulsé le réveil, et quand votre fassement aura causé beaucoup de tort, parce que beaucoup qui s'inspiraient de vous étaient quand même perdus, archevêque général. Aïdine Abala n'est pas mon collègue, Aïdine Abala, c'est pratiquement le père fondateur du mouvement de réveil dans notre pays. Donc mes collègues, c'est l'apôtre Leopold Mutombo, le général Sony, et l'archevêque Coutinho, et l'évêque Mukuna, les autres, voilà, un peu notre génération. Donc c'est vrai que lorsque je me suis plongé en politique, c'est vrai que ça m'a déséquilibré quand même. Ça m'avait déséquilibré entre le travail et l'œuvre de Dieu et la politique. Vous savez, vous ne savez pas exactement à quel moment il y a la démarcation entre les deux. Vous pouvez vous retrouver, vous faites l'églissement, ça vous avale. Et puis, mais j'ai appris des choses dans la vie. Ceux qui ne commettent pas des erreurs n'apprennent rien. J'ai commis des erreurs, c'est vrai, pas de fatalité, des erreurs d'appréciation peut-être. Par exemple, quand j'ai dit voter Kabila, c'est pas une erreur, mais c'est peut-être une erreur d'appréciation, parce que j'ai voulu me comparer aux pasteurs américains qui eux disent ouvertement. J'ai cru que dans notre pays ça pouvait marcher, mais moi quand je l'ai dit, c'est différent. Voilà, moi ça m'a coûté cher, donc j'avais mal apprécié la chose, mais c'est pas un péché ce que j'avais fait, mais seulement j'ai compris que j'avais mal apprécié l'affaire. Donc ils sont ces gens d'erreurs d'appréciation qui peuvent arriver. C'est pour cela que j'ai dit au jour d'aujourd'hui, je suis concentré à mon travail au ministère, et je suis content de voir depuis plusieurs années, depuis 2012, où je m'étais reconsacré complètement au travail en mettant sur pied une grande structure des écoles du Saint-Esprit, ou de grandes conférences des écoles du Saint-Esprit au Congo Brazzaville, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Europe. Ça marche bien. Je suis content dans ma peau de missionnaire. Ok, quand vous parlez de votre génération, archevêque général Albert Jean-Jacques Nkenza Mwanambo, les gens veulent découvrir cette incise-là de votre identité. Et quand vous citiez vos amis, vos collègues, vos compagnons de lutte, quand vous impulsez le réveil ici au Congo, vous avez cité Sonny Kafuta. Et quand nous venons vers vous ici, il y a une opinion qui estime qu'aujourd'hui, entre Nkenza et Sonny Kafuta, il y a une cassure, il y a une fissure. Ils ne se parlent pratiquement plus, ils sont plus amis, ils sont plus frères qu'on parle passé. Qu'est-ce qui pourrait être la cause d'un tel désamour, d'autant plus que vous avez été très amis, vous avez été très proches, et aujourd'hui, est-ce que entre Sonny Kafuta Rockman et Albert Jean-Jacques Nkenza Mwanambo, le courant passe? Le général Sonny Kafuta n'est pas un ami pour moi, c'est un frère. J'ai connu le général Sonny Kafuta au même moment avec l'apôtre Leopold Mutombo à Mbujimayi. Moi, après avoir quitté Kinshasa, je suis allé à Mbujimayi vers les années 83. Et c'est là que je commence mon ministère. Et je reçois l'apôtre Leopold. Quand même, ça dit vous êtes un des pionniers, 83. Ah, bien sûr. C'est pas hier. Bien sûr. C'est là que j'ai connu l'apôtre Leopold Mutombo et le général Sondon. C'est des amitiés de plus ou moins 40 ans aujourd'hui. Et nous parlons. Des gens disent qu'on ne se parlait pas, c'est faux. On a eu des problèmes sérieux il y a plus d'une année. Et au niveau de l'organisation interne des églises, il y avait quelque chose que je regrette amèrement. On peut y arriver à des questions très précises. Ouais. Nous nous parlons. Alors pour répondre à votre question, nous nous parlons.
Nous sommes des frères, je viens de l'Europe, je l'ai laissé au Portugal, moi j'étais en Belgique, en France. Vous êtes salué ? Bien sûr qu'on s'appelle régulièrement, nous nous appelons régulièrement, nous nous sommes réconciliés. Nous devons donner des leçons de réconciliation aux gens, bien sûr, aux hommes politiques, aux païens, aux chrétiens. Nous nous sommes réconciliés, nous nous sommes demandé pardon. J'ai eu à lui présenter des excuses sur les choses qu'il me reprochait. Il en a fait. Pareil de même. Donc, tout va bien entre mon frère, le général Sonny et moi. Parmi les choses qui fâchent, entre qui ont fâché, plutôt, si vous avez dit, il y a réconciliation, parmi les choses qui ont fâché entre vous deux, c'est le fait que, en tant qu'ami et frère de longue date, et il n'a pas supporté que vous portiez votre dévolu sur Dodo Kamba pour diriger une méga plateforme comme le RC. Et aujourd'hui, l'opinion parle dans la rue, Albert Kankinza, qui dit que la personne que tu as soutenue vous a tourné le dos. Dodo Kamba n'est plus avec vous, il vous écoute pratiquement plus. Ça, c'est nos investigations. Vous allez l'infirmer ou le confirmer. Il vous parle presque à plus, vous appelle presque à plus. Et la personne qui est à la base d'un conflit que vous avez avec votre frère vous tourne le dos. Ça vous fait regretter, vous en pleurez, ou bien vous dites c'est la vie, continuons, passons la route. Le général Sonny est un frère pour moi, frère ami. Et de ma génération. Dodo Kamba, c'est notre enfant que j'ai soutenu. Pour être. C'est rebellé, malheureusement. C'est pas un problème. C'est la nature humaine. Je ne veux pas trop aller là-bas. C'est un enfant pour moi. C'est pas mon ami, c'est pas mon collègue. Je regrette amèrement ce qui est arrivé entre Sonny et moi. Je le regrette. Je n'ai pas honte de le dire, je regrette. Si c'est à refaire, je ne le referai pas. Mais aujourd'hui, alors, Archevêque, c'est très important. C'est un chapitre qu'il faut s'ouvrir, qu'on ne va pas refermer sans qu'on ait des réponses un peu plus précises, puisque vous le regrettez. Et que faites-vous de Dodo Kamba? Vous l'abandonnez? S'il vient faire de la mort honorable, vous l'accueillez? Ça pourra se passer comment demain si jamais cela arrivait? Je ne m'intéresse pas au quotidien de l'RC au jour d'aujourd'hui. Je suis loin de l'RC et je ne m'intéresse pas aux activités de l'RC. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la réunification de l'Église, de réveil dans son ensemble. C'est ça qui m'intéresse. Aujourd'hui, je suis plus préoccupé par, avec tout ce qui se passe, des abus, des divisions, des désordres. Je pense au jour d'aujourd'hui, l'RC ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, d'ailleurs, nous le faisons déjà. C'est ce que tous les pères nous sommes en train de faire depuis quelques mois. Nous tous, les pères, avec Mukuna, l'apôtre Léopold, le général Sonny, moi-même, et le pasteur Jean-Bosco Kindomba, et d'autres leaders, tels que l'évangéliste Kizamina, et d'autres jeunes leaders qui ne sont pas de notre génération, mais qui sont des leaders, tous ensemble au jour d'aujourd'hui, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble et allons dans la même direction parce que nous voulons impulser, donner une autre impulsion à l'Église et l'éveil. Et je pense que dans quelques semaines, dans les jours à venir, nous apporterons de très bonnes nouvelles aux enfants de Dieu et à tous les Congolais parce qu'enfin, nous serons tous ensemble pour donner de nouvelles orientations à notre Église, de nouvelles directives à notre Église. C'est d'ailleurs le souhait de tout le monde de voir tous les pères ensemble. Et je vous donne l'information que tous les pères sont ensemble. Nous y travaillons et nous pensons que dans les jours, dans les semaines à venir, la bonne nouvelle va tomber. Donc ce qui me préoccupe aujourd'hui, ce n'est pas le quotidien de l'RC qui est devenu une plateforme pratiquement très faible, très fragilisée, où il n'y a plus de pères là-dedans, tous les pères sont partis. Et c'est comme ça ce qui me préoccupe moi, c'est aujourd'hui la réunification des pères. C'est voir tous les pères ensemble parler le même langage, aller vers la même direction. Et ça me réjouit, c'est l'unité de l'Église. C'est là même les problèmes, archevêque général, aussi aujourd'hui, l'URSS est définie parce qu'il y a même d'autres confessions religieuses qui n'ont pas digéré le fait que votre enfant, comme vous l'appelez, Dodo Kamba, soit le porte-étendard de celui qui représente l'Église
pour faire du poids à la CENI, ça dérange. Les gens estimaient qu'ils n'avaient aucun poids pour le faire parce que vous, le père, vous, les parents, vous, aînés, vous l'avez abandonné. Et il y a des gens qui appellent à la réparation. Aujourd'hui, vous l'avez dit, elle est devenue faible. Mais il faut la renforcer un jour parce qu'elle finira par disparaître. Il faudrait que de ce côté-là, de ce point de vue-là, qu'il y ait quand même des appels à la conscience pour réparer les choses. Je pense à mon avis que leur CA fait son temps. Leur CA fait son temps. Je pense que son temps est terminé. Leur CA fait son temps. Plus de 20 ans, nous avons défendu les églises éveillées auprès des tiers, auprès de l'État. Je l'ai dit sans crainte d'être contredit. Je pense qu'elle a fait son temps, l'ERC. Et aujourd'hui, la mise sur pied de cette méga structure des pères et des grands leaders de notre pays va entrer dans une autre saison. Va mener aussi l'Église dans une autre saison. Mais ça, c'est toujours l'Église réveille. Mais alors, mais d'une autre manière, c'est un autre leadership. Et je pense que vous aurez à apprécier. Je ne peux pas tout dire ici. Vous aurez à apprécier d'abord, un, l'unité des hommes de Dieu dans toute la diversité, l'unité des pères. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup, l'Église en a beaucoup souffert, de la séparation, de la division des pères. Et pour une fois, je pense que le peuple congolais en général, et les chrétiens en particulier, les églises du mouvement de réveil seront très heureux. Parlons peut-être de la foi abondante, votre œuvre principale. Vous en êtes le visionnaire, l'initiateur, le responsable numéro un. Et autour de vous, les gens travaillent. Au-delà des élucubrations que vous avez connues, au-delà des soubresauts, il y a des gens qui vous ont fait confiance. Comment vous le regardez aujourd'hui, vos collaborateurs d'aujourd'hui? Ils vous font la satisfaction, ils vous accompagnent comme ils se doivent, ou bien vous estimez qu'eux aussi doivent encore prouver des choses? Je le remercie de tout cœur. Je le remercie de tout cœur parce que ils m'ont pas quitté pendant un mois des tempêtes où j'étais la risée de tout le monde. J'étais appelé politicien, magicien, féticheur, où on a perdu des fidèles qui sont partis, mais mes collaborateurs qui continuent à croire en moi étaient là. Ils sont tous là encore aujourd'hui. Okay. Et je voudrais leur dire un grand merci pour leur loyauté et leur fidélité. Alors aujourd'hui, quelle santé affiche la foi abondante? Nous, on était encore jeunes dans la commune de Lemba Franté Limité. C'était un des fleurons des églises des réveils ici à Kinshasa. Et il ne s'est passé pas un jour sans que les gens parlent de la foi abondante. Les gens en parlaient. Et ce décalage-là aujourd'hui, s'il faut entrevoir dans 2-3 ans, quelle figure la foi abondante va-t-elle présenter? Il est vrai que la foi abondante avait pris un coup lorsque je me suis engagé dans cette vie politique. Vous savez, un jour, je me rappelle, en 2003, un couple qui venait prier à l'église. Et quand j'ai dit à l'église, je vous invite à voter pour le président Joseph Kabila, l'homme n'avait pas le courage de me parler, mais la femme, ce monsieur, venait me rappeler l'équipe pour dire, papa, à partir d'aujourd'hui, ne comptez plus sur nous. Nous quittons l'église parce que nous sommes du MLC. Et comme vous avez fait votre choix, Joseph Kabila, nous quittons l'église. Et je ne les ai plus jamais revus jusqu'à ce jour. Ils ont le courage de me le dire, mais d'autres sont partis en silence. Et l'église avait pris un coup. Et pendant des années, c'est en 2012 que la foi abondante, avec la nouvelle vision des écoles du Saint-Esprit, nous essayons de relever les choses. Mais l'église avait pris un grand coup. Et vous, en tant que manager spirituel, prenons-le comme ça, vous, en tant que visionnaire, les coups que vous avez reçus, mais ce qui est impressionnant, vous relevez si facilement. D'où vous vient cette capacité-là de rebondir à tout moment? Et quand votre parcours de 2003 au dialogue intercongolais, nous sommes en 2022, vous ne vous lassez jamais. Le petit secret, c'est lequel? Est-ce qu'il y a un secret? Je ne pense pas. Je pense simplement que c'est parce qu'il y a un appel authentique. Je ne me suis pas autoproclamé pasteur, prédicateur. Depuis mon jeune âge, Dieu m'a appelé à ce travail, Dieu m'a oint. J'ai une vocation, c'est une vocation, c'est un appel divin. Ce qui fait que, comme on peut dire à Lingala, Mukolo Musala Abundelanga. Donc, le Seigneur combat pour moi, il me relève lorsque je tombe, lorsque je titube, lorsque je chancelle. C'est son travail.
Il me soutient, il me relève, il me fortifie. Et moi-même aussi, je me fortifie. Je me fortifie, je me dis, allez, quand 15 ans, courage, lève-toi. Continue la course, c'est pas à la fin. Je me relève. J'ai pris des coups que si je n'étais pas aussi un homme de foi, je pense que j'aurais abandonné. Et cette foi, elle est abondante. Elle est abondante. Ok, vous revenez avec un credo important, en général, vous le lancez comme ça, comme un véritable pamphlet. Vous faites un constat que le charismatique a quitté la maison des dieux et vous voulez le réinstaller. Et quand vous dites charismatique, faites allusion à quoi? C'est-à-dire que les autres confessions ou les autres églises ne les font pas. Et c'est quand la charismatique a quitté l'église, c'est quoi la conséquence? Non, c'est-à-dire que... Moi, je prêche le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est la source de charisme. C'est lui qui distribue des dons. On dit qu'il distribue selon son bon vouloir. À l'un, il donne la parole de sagesse. À l'autre, la parole de connaissance. À l'autre, la parole de don de prophétie. À un autre, le don de guérison. Et c'est ça le charisme. Charisme vient du mot grec. Charis, qui signifie grâce. Charisma, qui signifie manifestation de grâce. Et charismata, qui signifie multiple manifestation de grâce. Et nous, quand on a les églises d'élevés aujourd'hui qui viennent de groupes de prières charismatiques, c'est comme ça qu'on nous appelait, de groupes de prières charismatiques. C'est-à-dire que c'était des groupes de prières avec... Une particularité, c'est que nous acceptions l'action du Saint-Esprit, l'exercice des dons spirituels. Et c'est ce qui amène le réveil, le feu dans notre pays. J'ai vu des sorciers venir témoigner, des féticheurs amener des valises, des fétiches. On a vu des gens... Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et justement, c'est ça le constat, c'est que je dis aux gens, nous devons retourner au charismata. Absolument, absolument. C'est ça qui nous, c'est ça qui nous caractérise. C'est ça qui fait notre différence, en fait, des églises éveillées. C'est au niveau des charismes. C'est ça, même, les églises éveillées. On ne peut pas être réveillé sans parler des charismes. Donc, et là, dans les charismata, il y a multiples manifestations. C'est-à-dire qu'au sein de l'église éveillée, nous devons comprendre que Dieu est unique. Mais Dieu n'a pas une méthode unique pour faire des choses. Non. Dieu est unique, mais avec... de multiples manifestations, multiples opérations. Donc ça, c'est très, très, très important. Alors, pasteur, où intervient la démarcation entre les hommes des dieux qui ne prêchent que la repentance et ceux qui ne prêchent que la prospérité parce qu'on doit prospérer matériellement? De ce point de vue-là, il y a une démarcation ou bien les deux vont de pair? Non, c'est-à-dire ceci. Quand vous lisez la Bible, Paul vous dit... selon la grâce qui m'a été faite d'aller vers les païens. C'était un apôtre, mais avec une particularité, c'est d'aller vers les païens. Et Pierre, qui était juif, il avait, lui, la particularité de s'adresser aux juifs. Mais pourtant, Paul, Pierre, c'est le patron qui reste avec l'église. Mais il n'a jamais dit à Paul, non, c'est moi le patron, je peux aller partout. Il a respecté la grâce de Paul d'aller vers les païens. Et Paul a respecté la grâce de Pierre d'aller chez les juifs. Regardez encore une autre histoire. Pierre et Jean marchent ensemble. Ils arrivent devant les paralytiques. Pierre dit, regarde-nous bien. Et la Bible dit, le paralytique le regardait s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Il dit, regarde-nous. Pierre n'a pas dit, regarde-moi. Pierre dit, regarde-nous. Mais quant au miracle, il dit, je n'ai ni or, ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève ton masque. Parce que Pierre avait le don de guérison que Jean n'avait pas. Jean aurait pu dire, mais pourquoi est-ce que tu dis j'ai? Nous sommes ensemble. Jean a respecté la grâce de Pierre, qui est le don des miracles. C'est comme ça que Pierre a ressuscité des morts, a fait marcher des boiteux. Jean lui a écrit sur l'amour. Donc chacun a sa particularité. Celui qui prêche la repentance, c'est sa grâce, c'est son appel. Il ne peut pas entrer en conflit avec celui qui prêche la prospérité. Celui qui prêche la prospérité doit aussi respecter celui qui prêche la sanctification. Nous sommes appelés pour nous compléter.
Nous ne sommes pas en rivalité. Nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes là pour nous compléter. Les dons, les ministères sont appelés à se compléter. Donc, moi, je prêche l'onction. Je prêche la foi. Je ne veux pas dire que celui qui ne prêche pas la foi et l'onction, donc je ne peux pas le respecter. Non, je prêche l'onction et la foi. C'est ça ma particularité. Donc, si on m'invite aujourd'hui quelque part, on m'invite sur base de ma particularité. Donc, quelqu'un qui prêche la repentance, moi, je le respecte parce que c'est son appel. C'est sa grâce. Et celui qui prêche la sanctification, je le respecte. Mais le vrai problème, c'est dès lors où quelqu'un qui prêche la sanctification, il veut que tout le monde prêche la sanctification comme lui. Et il vous dit, on ne prêche plus ça dans les églises. On ne prêche plus ça. Mais chacun de nous a reçu de Dieu un message. Et chacun de nous, c'est comme le médecin. On est un médecin. On doit pas, il y a des médecins généralistes, mais il y a des médecins spécialistes. Pour telle chose, on vous dit... Pour telle maladie, allez voir tel médecin. Je pense que c'est ça l'attitude qu'on devait avoir à l'église. Pour telle situation à l'église, appeler tel homme de Dieu, il a la grâce de parler de telle chose, je pense qu'il peut lui répondre aux attentes de l'église par rapport à sa grâce. Il faut, c'est comme ça que l'église américaine et d'autres églises sont allées plus loin au Nigeria, au Ghana, parce que les hommes de Dieu ne se battent pas sur des grâces, mais ils se complètent sur leurs grâces, leurs appels. Ok. Alors, chef général, vous sortez d'un périple important, France, Belgique, et quelques pays européens, et on aura appris que les gens étaient édifiés. Seulement, il y a une partie d'iceberg qu'on n'a pas dévoilée. On me dit, Albert Jean Kakenza est devenu très riche. Une Rolls Royce à la clé, une voiture de Pacha, de la bourgeoisie anglaise, il est devenu riche. Et les gens s'étonnent. Après cette disparition, Albert Kakenza s'est tapé une Rolls Royce. Quand même, les gens vont trembler, archevêque général. Riche, je le suis avec Jésus. Depuis toujours, riche. Il m'a enrichi, Jésus. Avec une Rolls Royce à la clé. Je ne vais pas aller sur ce terrain-là, que je considère de la distraction. Je considère vraiment que c'est trop bas. Vous savez, mon frère, j'ai été très choqué par la réaction du peuple congolais qui est mon peuple. Et surtout très choqué par certains journalistes de votre rang que je respecte, qui ont fait des émissions sur ça, qui ont tweeté des gens que je respecte. Très choqué encore par des hommes politiques de mon pays, des ministres, des grands responsables que je connais. Peut-être qu'ils sont jalousés. Non, je vais expliquer. Choqué par leurs attitudes. Choqué par leurs attitudes. Parce que je vous renvoie à ma page, ma réponse et à ma page Albert, en 15 ans, mon amour ministrise. C'est là où le jour où j'ai fait ma publication. Lisez ce que j'ai écrit. Vous aurez la réponse là-dessus. Donc, les gens n'ont pas lu. Des ministres, des responsables politiques, des grands journalistes, ils n'ont pas lu. Tout ce qu'ils ont fait, c'est de parler sans lire ce que j'ai écrit. Donc, je considère ça de la distraction. Je n'ai pas de réponse à donner à ces choses-là. Donc, vous êtes l'homme de la simplicité qu'on parle du passé. Albert Kakenza suit les traces de son maître. Son maître, c'est un homme humble. Et moi, je fais des efforts pour être un homme humble. Et ceux qui me connaissent, ils le savent. Comment expliquer des ministres, des hommes politiques qui roulent carrosse, ils se réjouissent. Et si c'est un homme de Dieu, voilà votre pasteur, voilà les mamans. Ce qui choque les gens, c'est la voiture. Ce qui choque les gens, c'est l'hôtel où j'ai logé. Cet hôtel, évidemment, c'est un grand hôtel de luxe sur les Champs-Élysées. Un hôtel où des stars américaines viennent, où une nuit, vous en avez pour 10 000 euros. Et les gens disent que ce sont les offrandes et les dîmes de l'église foi abondante qui m'ont amené à dormir dans cette suite-là de 10 000 euros. Quelle église à Kinshasa peut se taper 10 000 euros le jour? Je pense que c'est. Même mes propres fidèles se moquent de ceux qui écrivent parce qu'ils savent ce qu'ils donnent. C'est vrai que mon peuple donne, mais pas jusqu'à ce point-là. Et même si mon peuple donnait, je ne peux pas utiliser l'argent des enfants de Dieu pour des folies personnelles. J'ai des partenaires capables de faire ce qu'ils ont fait. Et ce partenaire, je le félicite, je le remercie pour m'avoir honoré en me mettant dans toutes ces conditions-là. Donc il faut respecter ces gens qui ont fait ce genre de dépenses au lieu de se mettre à parler. Je félicite et je bénis mes partenaires qui ont fait ça. Cette voiture, cette
cet hôtel de luxe et tout ce qu'ils ont fait pour moi pendant mon séjour. Salut à ses partenaires et que Dieu les bénisse. Alors, pasteur, pour clore ce chapitre-là, qui nous semble un peu dérangeant pour vous, parce que c'est très bas, vous l'avez dit, est-il malsain qu'un homme de Dieu soit opulent? Ça dérangerait? Opulent, très riche par ses propres moyens, hors les moyens de l'Église. Parce qu'on peut être homme d'affaires, on peut être dans des affaires. Si on est opulent, ça peut déranger? Bien sûr qu'un homme de Dieu peut faire ses affaires en dehors de son ministère. J'en connais personnellement qui le font. Et moi, je n'ai pas ce talent-là de commerce. Donc, mais c'est normal. C'est normal qu'un homme de Dieu se retrouve dans les affaires et qu'il prospère dans ses affaires. Aux États-Unis, j'en connais des grands hommes de Dieu immensément riches qui ont des jets privés. Vous savez ce qui me choque encore? Quand un homme comme l'archevêque donc William du Ghana, qui vient ici, qui est le père spirituel du président de la République, il vient en jet ici, les gens acclament. Quand c'est un Congolais qui roule en Rolls, qui est logé dans un hôtel, ça devient un problème. Mais tous les Congolais acclament quand Archbishop vient en jet privé. Il est allé à Lubumbashi, chez un de nos fils, qui a payé la location du jet privé depuis le Ghana jusqu'à Lubumbashi. Les gens acclament. Quelle méchanceté! Quand c'est un étranger, on acclame. Mais quand on le fait pour votre frère congolais, c'est des injures. Vous trouvez ça normal? L'archevêque, donc William, le pasteur du président de la République, quand il vient ici en jet privé, je pose des questions. Peut-être que c'est le président qui paye pour lui. C'est normal. Ou c'est lui-même qui paye, c'est normal. Parce que c'est un étranger. Et vous voyez les pasteurs derrière en train d'acclamer. Ah, il a jet privé. Mais quand c'est votre frère qui est honoré à ce niveau-là, ça pose problème. Pourquoi on veut acclamer quand c'est les étrangers? Et quand c'est votre propre frère, vous critiquez. Voilà la méchanceté de notre peuple. Et ceux qui l'ont fait vous ont frustré, vous les pardonnez? Je suis déçu, je suis attristé. Je ne tiens pas rigueur. Je constate simplement que nous ne nous aimons pas. Nous ne nous aimons pas. Nous préférons aimer un étranger que d'aimer son propre frère. Ah, pasteur, peut-être on va terminer par là. Le réveil au Congo-Kinshasa, notre pays, pensez-vous qu'il a quand même les capacités de refaire cette lettre de noblesse comme vers les années 90? Par où faudra-t-il passer? Non, il faut recreuser le puits. Recreuser le puits, c'est très important. Il faut recreuser le puits. Jacob, quand il arrive dans le nouveau territoire... Les pays écartés, les brebis galeuses? Non, quand il arrive dans le nouveau territoire, il trouve que le puits que son père avait creusé était rempli de poussière. Joseph, Jacob, Isaac recreuse le puits. Et l'eau commence à jaillir. Je pense que nous avons des puits où il y a eu trop de poussière, on y a jeté trop de choses, des pierres, des poussières. Il faut le recreuser pour vivre l'eau vive de réveil encore dans notre pays. C'est encore possible. Et vous vous y engagez déjà? Je m'y engage avec le message de Charismata. C'est un puits jeté de recreuser. Dans ce message-là, il y a des activités en vue, on l'a appris. Vous venez de confirmer qu'à Lemba, il est prévu une grande action prophétique, je ne sais pas comment vous l'appelez, dans le cadre de Charismata. Oui, il est prévu une grande activité au mois d'août, du 3 au 5 août, sur le terrain GD. Méga école du Saint-Esprit, festival de l'onction, et avec comme thème principal, c'est Charismata, première édition, où nous attendons pas moins de 3-4 000 pasteurs tous les matins. Et nous aurons une grande veillée, une grande nuit du Saint-Esprit à l'occasion. Et très bientôt, les annonces vont commencer, la publicité va commencer. C'est un grand événement, un grand événement. Pasteur, on va arrêter dans 30 secondes. Je vous suggère de lancer un message pour votre communauté, la foi abondante, pour l'ensemble du peuple des dieux du Congo, mais que vous le fassiez en lingala, parce que c'est la langue qui est la mieux parlée ici au Congo, que vous le fassiez en lingala. Votre français, il est très impeccable, je suis impressionné, mais que vous le fassiez en lingala pour que même nos mamans maraîchères qui aimeraient refaire le chemin de la foi abondante ne se gênent plus jamais. Vous êtes vrai quand vous dites que mon français est impeccable? Ou bien vous voulez, mais vous me flattez seulement. Il est impeccable. Je vous remercie. Je vous remercie.
Ça, c'est le travail des prêtres catholiques. Hein. Je suis passé à l'école primaire catholique, secondaire, au petit séminaire. Ils ont fait un grand travail dans ma vie, justifié. Les prêtres catholiques. Bandeko, là, nous sommes en remercier Ndeko, papa journaliste, Ndenga Yambinga. Je remercie Canard Kin Mobimba. Oui, je suis en train de me dire ici, Nanda Kunanga, pour nous sola Nangai. Merci beaucoup, merci Mingi. Nzambe nanga pambola bango. Masengi bana ya foi abondante. Ane weza ane munene ya seigneurie ya bokonzi ya Yesu. Peza ane we tolba tana ba défi ya ko relevé. Makamba na biso lopango, makamba na biso télévision. Tout se concentré kuna pour avant le 31 décembre, biloko na mibale e ko kisama pona lokum na kolo. Tout l'an d'abat distraction, tout l'an d'abat kelele abat, tout l'an d'abat kelele abat, tout l'an d'abat kelele abat, koma, tout tombe la mission abso, tout l'an kolo. Pena sengi la Christo nyons, Église réveil. Lingomba na biso mbimba Église réveil, zana bitumba makasi, o satan na ye na ngomi kolo yo, kobundisa, basali na ye, bayembi, batsali, batei, pona ko diskredite yango na lingaba balobi, pona ko samu isa yango, on a aussi sa valeur nango basa la confiance n'église ou anate basa la confiance na basal nzambete ba finga yango botala batote na bambeba na bango me botala munguna ya église satan wazolinga ko bébé sa église ko diminuer église botela mangui botala nzambe botala nzambe confiance pe botala biso confiance batata na bino ba kambi na bino pona lokumu na kolo amen. Pasteur, nous vous remercions. Merci d'avoir été très très disponible pour nous, en espérant que la prochaine fois, vous répondrez présent. Merci, c'est moi qui vous remercie parce que je sais que ça fait plusieurs années que je n'ai pas fait des émissions comme ça. Et je suis convaincu que cette émission va édifier beaucoup de gens grâce à vous, grâce à Canal Kin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous remercions. Merci également à vous, à Freddy Tankidé, Mike Amonka et clin d'œil spécial à notre aîné, notre frère Yvon Mundadi qui a facilité ses contacts. Et nous vous le remercions. Il a été de tous les combats pour avoir l'argent avec Général Berkan Kenza. Le rendez-vous est pris le vendredi prochain pour un autre numéro fidèle à notre programme. Bonne soirée chez vous et bye bye.